Difficile. Déjà au début, on m'a dit ça ne marchera jamais à Saint-Hyacinthe, des spectacles toutes les semaines, oubliez ça, ça ne marchera pas. Mais moi, quand je crois à mon projet, je croyais à ce que je voulais faire et je me suis dit ça ne peut que marcher. Il faut prendre du temps, c'est sûr que ça a été difficile, on ne gagnait pas d'argent, on en perdait beaucoup au début. Mais tout doucement, de bouche à oreille, le nom s'est fait et c'est pareil, quand j'essayais d'avoir des artistes, j'appelais des agents, je disais vous êtes qui, vous, personne ne me connaissait. Donc ça a pris du temps. Mais petit à petit, le chemin s'est fait et ça a été, j'allais dire, de plus en plus facile. Après, c'est les agents qui m'appelaient pour faire passer leurs artistes. Ben, moi, ça fait probablement 10 ans que je me tiens aux arcos, que je suis ici, j'ai découvert à aimer les spectacles live, j'ai travaillé assez longtemps quand même ici. Puis à l'automne passé, Sébastien qui s'occupe de la programmation m'a demandé avec d'autres vidéastes du coin si on voulait peut-être collaborer à faire un documentaire pour commémorer les 20 ans du Zarco. Puis moi c'est sûr que j'ai tout de suite embarqué parce que c'est quelque chose que j'avais un peu en arrière de la tête depuis quand même assez longtemps là, de faire un projet vidéo, d'allier mes forces avec ce qui est fait aux arcos. Puis de fil en aiguille, ben, je suis devenu le réalisateur de ce projet-là. Puis là, ça fait depuis l'automne qu'on travaille là-dessus. Puis c'est une façon de raconter un peu l'histoire du Zarco à travers ces 20 ans-là. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est aussi de parler de la résilience d'un endroit comme ça qui est extrêmement important culturellement pour la vie culturelle d'une ville comme Saint-Hyacinthe, puis pour le milieu de la musique en général, ça prend des salles comme ça, puis il y en a à travers la région, mais il y a beaucoup de choses qui sont spéciales aux arcos qui sont à raconter. Puis moi, je les ai découvertes en travaillant ici, en venant voir des spectacles ici. Fait que c'est un peu ma vision de ce que c'est ce projet-là qui prend tranquillement différentes formes.
mais c'est de vraiment retracer l'histoire du Zarco et de raconter pourquoi c'est important qu'un endroit comme ça continue à durer dans le temps, puis à rencontrer son public, à trouver de nouvelles personnes qui découvrent la musique ici, qui se découvrent des amitiés même aussi, parce que c'est vraiment un endroit chaleureux où est-ce qu'il y a une communauté culturelle qui se crée à l'intérieur de Saint-Hyacinthe. C'est un endroit qui est reconnu, veut pas, à travers le Québec aussi. Là. Ben, le but, c'était d'ouvrir une petite salle de spectacle, parce que moi, j'aime les petits lieux. Découvrir les artistes autrement aussi, parce que dans les petits lieux, on les voit... Dans les grosses salles, bon, il y a beaucoup de monde, c'est le gros son. Quand les gens sont à côté de nous, dans des petites salles, c'est comme s'ils jouaient dans notre salon, en fin de compte. Donc, on les voit autrement, les artistes. Et les artistes aiment ça aussi, parce qu'ils peuvent donner un autre spectacle. Et bien entendu, ça permettait aussi de faire passer des artistes émergents, que ce soit des artistes québécois, français, j'ai eu des Français, des Américains, qui venaient d'Angleterre, enfin, peu importe, toutes sortes de musiques. Et moi, j'étais surtout spécialisé dans la musique acoustique, parce que c'est ce que j'aime, moi. Ce qui ne m'a pas empêché de faire passer du rock, puisque toute la plupart des artistes de rock de l'époque sont passés aux haricots. Mais voilà, c'était ça. Le but, c'était ça. C'était de faire découvrir des artistes dans une ambiance où les gens respectent les artistes, où ils écoutent la musique. Et voilà, de faire découvrir des artistes émergents de toutes sortes de musiques. À travers notre équipe de propriétaires, Audrey et Sébastien, que vous connaissez déjà. En fait, je vais tout de suite commencer avec mes notes, parce que mon papier ne m'aide pas vraiment. Mais il y a plusieurs collaborations que je tenais vraiment important de mentionner. Donc, je vais commencer premièrement avec la collaboration de ceux qui lançaient leur programmation hier. Le Centre des Arts Juliette Lassombe, en fait. Domaine d'applaudissements. Yeah! Fred qui est là pour rap. Fred qui rap pour son band, puis le Centre des Arts. Bien joué. Merveilleux, non, c'est ça. Fait que, dans le fond, pour ceux qui sont plus ou moins au courant du concept, c'est qu'au lieu de se voir comme des compétiteurs, on s'est vu comme des alliés. Maintenant, on s'associe ensemble pour développer les artistes ensemble. Donc, le Centre des Arts vient présenter des spectacles aux Arcos. Et puis, c'est des artistes qu'on rencontre, qu'on choisit dans l'optique justement que ça devienne assez gros pour qu'ils puissent aller jouer à leur tour au Centre des Arts. Puis, on travaille ensemble pour les artistes. Plutôt que de se tirer la couverture. Merveilleux. Lida, concept de soirée découverte. Un dimanche sur deux, c'est quoi les soirées découvertes? Vous payez 10$, vous avez accès à deux artistes méticuleusement choisis par nous, en fait. Plus précisément par moi, je veux dire. Mais genre en collaboration, en fait, avec Nous TV, en fait, qui nous permet de faire ça, la microbrasserie des Grands Bois. Puis, il faut nous faire confiance, on sait que c'est les artistes de demain. T'sais, en fait, on présente les artistes d'aujourd'hui et de demain. Ceux-là, c'est ceux d'après-demain, peut-être, tu sais. Mais c'est vraiment ça, tu sais, j'en reviens toujours avec le même exemple, mais on l'a fait pendant quoi, avec peut-être 3 ans, il y a un certain temps, on a des artistes incroyables, comme les Louanges qui est passé ici, qui avait 10 personnes, maintenant, il va à Juliette Lassombe, puis il remplit, tu sais. Fait qu'il faut nous faire confiance. Fait que le concept, ça va être ça, une fin de semaine sur deux, 10$, t'as une bière gratuite des Grands Bois, puis tu viens découvrir les artistes d'après-demain. Wow! Incroyable, pareil. Fait que ça fait le tour pas mal de mes notes, puis en fait, on va présenter... le teaser en fait du documentaire qui s'en vient sur le Zarco, je pense que j'aimerais inviter le gars qui me filme à ma gauche en ce moment, si ça est temps de venir en parler un peu pendant ce temps-là. Ouais, merveilleux! Mascoutin! Mascoutin! Salut tout le monde! J'aimerais que vous connaissent, j'aimerais que vous ne connaissent pas. Hey, bonne fête, c'est vrai! Bonne fête! C'est la fête aujourd'hui, merci! Fait que ça fait un petit bout. Moi, j'ai des trucs que je ne connais pas. Ça fait à peu près 10 ans que je viens ici, même malgré mon jeune âge, quand même. J'ai travaillé quand même assez longtemps ici, puis j'ai récemment recommencé à travailler ici. Donc, je connais bien le Zarco. Puis,
Puis à l'automne, Sébastien m'a approché avec d'autres vidéastes pour faire un projet pour célébrer les 20 ans, un documentaire. On a commencé à travailler là-dessus. Puis plus on travaille dessus, plus ça prend de l'ampleur. Puis je pense que ça s'en vient vraiment pour être un super beau projet. Puis aujourd'hui, je vous ai préparé un petit teaser, montrer un petit peu sur quoi on a travaillé. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens que je veux interviewer, des gens d'ici, des gens qui m'ont fait monter le Zarco de l'intérieur, puis des gens de l'extérieur qui reconnaissent la valeur d'une salle comme le Zarco. Puis c'est un projet tellement fun à faire parce que c'est vraiment facile de faire dire aux gens qui aiment le Zarco que c'est un endroit important. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur à un projet comme ça parce que c'est des salles comme le Zarco, il en faut plus. Puis malgré l'aspect unique du Zarco, c'est quelque chose d'assez universel. Je pense que des salles comme ça existent et donnent la chance aux artistes de se produire. Fait que c'est avec cette passion-là que je travaille sur ce projet-là. Puis je sais pas si t'es prêt à le présenter. Ouais. Fait que je te laisse là-dessus. Merci. Je passe le micro. Ouais, je pense qu'on va pouvoir faire ça. Donc, on vient de se mettre ça. Nous, on ne viendra pas non plus après. Fait que, comme Félix, on vous laisse là-dessus. Merci! L'audio. Attends. Chaque fois que je demandais aux gens de se taire, on prenait pour un fou. Et là, il pensait. Il veut nous empêcher de parler dans ma barre, donc les gens partaient et puis on revenait plus. Tout doucement, il m'est venu l'idée de faire un petit speech quand je présentais les artistes sur scène et de demander gentiment, avec une phrase qui revenait tout le temps, de me demander aux gens de se taire. Et c'est là qu'est né le slogan du Zarco. Aux haricots, le silence est d'or et le blabla, c'est dehors. Le sérieux qu'on y met, la qualité du son, tu sais, on a vraiment voulu continuer les standards de William qui étaient vraiment très élevés. T'écoutes un spectacle pis t'es genre, ah oh, mon dieu, ok, non, le son il est incomparable, les gens sont en silence complet. Tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau dans le milieu des bars qui présentent des spectacles que d'exiger le silence, tu sais. On est vraiment une salle de spectacle, on est là pour écouter le spectacle, pas juste vendre la bière parce qu'il y a un artiste qui nous permet de le faire, tu sais, au contraire. Un échange, une relation d'égal à égal, que ce soit avec les clients, les serveurs et les artistes. On sait que c'est pas dur de mettre l'ambiance. Si on sait que les gens sont assoiffés de news, c'est pas qu'il y ait 10 000 personnes ou que ça soit un Zarco plein, t'as des frissons. C'est fort. Un Zarco de commerçant indépendante parfaite, par sa terre, par le public, par le type de programmation, par la vibe du staff. Ça rend les salles comme ça, faudrait qu'il y en ait plus. La personnalité de Zarco est tellement forte, son image et son identité, elle a traversé le temps. T'sais, c'est quelque chose de quasiment surnaturel. C'est toujours une belle expérience de jouer ici, t'as su plein de moyens avec le staff et la clientèle régulière qui est juste le trip d'être sur ce stage-là. J'ai tellement découvert de Ben en travaillant ici, tellement d'amis, je suis vraiment fière de travailler dans le groupe. Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.